Couchez, couchez. Un chien, oui, mais pas n'importe quel chien, un molosse à trois têtes, avec une queue de dragon. Nul mortel ne parvint et ne parviendra à le dresser. Qui peut me dire son nom? Médor. Rex. Adolphe. Adolphe. La fille. Ratata. Ophélie. Mirza. Cerbère. Cerbère, exactement, le gardien des enfers. Un seul homme sut l'amadouer. Orphée. Les accents de sa lyre attendrirent l'effroyable cabot. J'ai perdu mon... Je note avec plaisir que vous avez reçu ma circulaire sur les chiens. J'ai ordonné à votre maître de vous parler du plus fidèle ami de l'homme pour vous préparer à une magnifique initiative de Monsieur le Maire. Qui parmi vous possède un chien? Moi! Sachez que les premiers jeux interchiens se tiendront demain. Place de la mairie, dressage, défense, attaque. Le vainqueur et son maître gagneront une semaine pour deux dans un club de vacances. Ouais. Silence. Dressage ou bien ordonné commence par soi-même. Je ne vous dérange pas plus longtemps. Reprenez, reprenez. J'ai perdu mon Eurydice. Voyons, voyons. Un filet de salmonelle. Stop, arrêtez. C'est pas de la salmonelle, c'est de la myxomatose. Mais je fais n'importe quoi, moi, ce matin. C'est le surmenage, vous devriez lever le pied. C'est ça, et me pointer devant le 26e congrès sans avoir mis au point mon filtre à entartrer les dents. Personne ne vous en voudra. Au boulot, j'ai dit. Ingrédient suivant. Eh bien, trois gouttes de papaverine. Non, ça c'est de la nitroglycérine. Madame, il est fichu. Oh, c'est ce que je pense aussi. Quoi? Un chaudron en alliage alchimique que j'ai à peine depuis 200 ans? Ah, mais vous savez combien ça coûte, ces engins-là? Bonne question, on va le réparer. Puis-je rappeler à madame qu'elle est assurée pour ce genre de sinistre? Exact, j'ai le numéro de l'assureur quelque part. Assureur de chaudron la planque. Un contrat par siècle et un sinistre tous les 36 du mois. Mon vieux Belzeb, t'as choisi le créneau pépère. Lucifer et Belzébrut, un mutuel infernal, j'écoute. Hein. C'est au sujet de mon chaudron. Ouais. Il est explosé. Et? Vous devez me le rembourser. C'est dans le contrat. C'est exact. Là. Oula, il faut d'abord faire une expertise. Expertise? La formule pour invoquer l'expert est inscrite au bas du contrat. N'oubliez pas d'indiquer votre numéro de police, on verra ce qu'on peut faire. Et voilà, on peut jamais être peinard plus de 50 ans. Bon, ça me fera prendre l'air. Voilà. Bonus, malus, aquarius, belzébrutus. Numéro de police 666. Vous avez demandé la police? Ne quittez pas. Bonus, malus, aquarius, belzébrutus. C'est vous l'expert? À votre service, oui, le petit malade. Oulala. C'est pas vrai, une éponge. Tu parles d'un goûter, toi. Ta grand-mère t'a fait des niches? Non, non, elle est juste à côté de ses pompes. Complètement surmenée, la pauvre. Il lui faudrait des vacances. Cookie, cookie, cookie. Bah, garde la semaine de vacances des jeux à ta chien.
Oui, mais j'ai pas de chien. Je t'en fabrique un, moi. Un cyber cadeau. Tu saurais? C'est fastoche. Oh, mon Einstein, je t'adore. C'est pas un accident, c'est un attentat. Un instant de distraction. Sans blague, comment vous avez fait ça? Confondu deux produits. Hein? Pas compris. J'ai confondu deux produits. Ah. Papavérine et nitroglycérine. Ah, je vois, d'accord. C'est pratique les grimoires parlants, mais il faut brancher son sonotone, mamie. Hé, hey, baisse d'un ton, tu veux l'entité? Expert entité, je vous prie. Et pour le remboursement, il n'y a encore rien de fait. Ça se plaide, mais ça peut prendre du temps. Combien? 50-60 ans. C'est pas des vifs au siège. Quoi? Envoie le cash, tout de suite. Tantôt, assureur de carnaval. Oh, la vieille, pas la peine d'aboyer. On n'est pas des chiens. Certes, c'est toi qui le dis. Icarirou. Qu'est-ce que vous avez fait? Allez, quoi, soyez sympa. Rendez-moi mon identité d'entité. Mon fric d'abord. Mais c'est pas possible. Les formulaires, tout ça. Alors, rien à faire. Allez coucher. Est-ce que vous pourriez au moins me laisser sortir et m'indiquer l'arbre le plus proche? Hein? Oh, ça fait du bien. Non, mais je rêve. Tu me prends pour qui, Fifi? Un réverbère? Oh, ça va, ça va. Je suis pas un chien moi-même. Je suis de la maison, belles et brutes, assureur conseil. Test sur les dégâts des eaux. Oh, le joli toutou. Qu'est-ce qu'il fait là, le gentil chien-chien? Qui c'est, celle-là? La petite fille de la patronne. Bonjour, le chien. On a perdu son maître. Comment est-ce que tu t'appelles? Belles et brutes. Oh, mais tu parles? Eh ouais. Viens avec moi à la maison, tu auras un beau nonos. Merci, c'est pas trop mon truc, les nonos. Les vieilles cinglées non plus, d'ailleurs. Oh, je vois, grand-mère t'a chassé, mais faut pas lui en vouloir, elle déteste les chiens. Les chiens et les assureurs, et pas forcément dans cet ordre. Je vais te cacher quelque part et dès que j'aurai fini mes devoirs, tu me montreras ce que tu sais faire. Allez, viens, mon pâteau. Pâteau? J'ai pas trop le choix, si? Transformer la place de la mairie en cynodrome. Je me demande si ce n'est pas un peu excessif, Balotte. Songez-y, monsieur le maire, 7 électeurs sur 10 possèdent un animal de compagnie. Et 9 sur 10 de ces animaux sont des chiens. Vous m'épatez, Balotte. Je table sur 300 participants. Si tout va bien, l'an prochain, on organise les Olympiades du chien. Non. Si, avec construction d'un stade olympique. Béton sponsorise le tout. Il compte en profiter pour lancer sa nouvelle Votez pour chien. Non. Allez, Adolphe, tu vas gagner ces jeux pour la gloire de la pâté béton. À trois, je lâche et tu t'élances. Attention, pas à deux, hein, mais à trois. Un, deux, trois. Abruti, c'est pourtant pas compliqué de sauter. Intérêt à assurer aux assiettes chinoises. Et voilà le cybercador. Qu'est-ce que t'en dis, Rosemary? Cyberchou! Et hop! Oh! Oh! Assis, couché, debout. Sur deux pattes, sur une patte. Salto arrière. Parfait, t'es au point. Au pied. Maintenant, allons tester ta vitesse pure. Une fois un. Ouais, bravo. C'est sucre. Bon, racine carrée de 9. Tiens. Continue comme ça et tu finiras à la SPA. Tu devrais prendre des vacances. Avec le 26e congrès qui arrive et mon filtre à entartrer les dents qui est pas prêt? Tu veux rire?
filtre à entartrer les dents? On se demande qui a besoin de ça. Il y a des milieux où les chicots sont du dernier chic, figure-toi. Et si je te les offrais, tes vacances? Toi? Oh, mon pauvre chou, va plutôt récurer les lézards, tiens. Relax, les reptiles, je ne suis pas un chien normal. Et nous, Fino, on est normaux. T'as déjà vu des lézards de 400 kilos et qui parlent? Allez, laissez Pato tranquille. Belles et brutes. Ah oui, belles et brutes, c'est pas terrible non plus comme nom. Écoutez, il faut que je vous dise, je suis pas vraiment un... Chut. Tais-toi, crétin. Elle a le pouvoir d'annuler le sort de la vieille. Embourbe-la en douceur. T'es assureur, oui ou non? Tu disais? Ouf. C'est crevaux. On va commencer par un exercice facile. Je te lance la baballe et tu la rapportes. Prêt? Prêt. Allez, mon Pato, va chercher. Ce qu'il faut pas faire. Voilà, ne te barre, je me barre. Cherchez la baballe. J'ai que ça à faire, cherchez-la. Oh, je la vois. S'il vous plaît, je peux avoir la baballe. Il faut que je la... Et alors, on s'amuse au lieu de s'occuper de mon dossier? Pour les formalités, faut me rendre ma forme d'entité. Mon pognon d'abord, et dégagez d'ici. Ce bois n'est pas fait pour les chiens, et que je vous reprenne plus à jouer à la baballe avec ma petite fille. Tiens, toi, t'as perdu ça. Oh, mais qu'est-ce que tu as fait de Pato? Pato? Je connais pas. Grand-mère, je t'ai entendu lui parler. Moi? Pas du tout, je discutais avec mon assureur. J'avoue que ça ne manque pas de chiens. La liste du jury. Je nous ai bombardé président et vice-président. Comme ça, nos voix comptent triple. Oh, très bien. N'oubliez pas que le chien de béton doit gagner à tout prix. Notre ami a beaucoup investi dans ces jeux. Beaucoup. Balotte. Justement, c'est lui. Oui, Herman, et que puis-je pour vous, hein? Je vous le demande comme une faveur, Balotte. Il va sans dire que je fournis la paquet. Qu'est-ce qu'il voulait? Qu'on rajoute une épreuve de dégustation de pâté en ouverture des jeux. Eh bien, si ça peut lui faire plaisir. À vos marques. Prêt? Mangez. Vas-y, entraîne-toi. Pendant ce temps, la papa s'occupe de la concurrence. Je me marre. À vos marques. Prêt? Partez. En 50 mètres, départ arrêté, pas mal. Mais... Ah bravo! À quoi ça sert qu'Einstein se décarcasse? C'est Pato, et le tien, comment il s'appelle? X-27, mais j'aurais dû l'appeler trahison. Je me crève à te fabriquer un chien de haute précision et tu vas ramasser un vieux corneau rougeau? C'est qui ce gnome fluo? Parce qu'il parle en plus. Tu l'as envoûté, je suppose. Pas du tout, il était comme ça quand je l'ai trouvé. Ah, d'autres? Ok, ce sera magie contre technologie si c'est ça que tu veux. Et que le meilleur gagne. Au pied, X-27. Tu vas pas me laisser tomber, hein? T'inquiète, j'assure. Bouf, bouf, bouf. Assis, fais le beau. Donne la patte. Pas bien, mon chien. Allez, mieux que ça. Rina, fiche la paix à l'assureur. Mais quel assureur? Tu n'es pas un vrai chien. Oh, mais c'est une catastrophe, le concours est à l'eau. Pas forcément, je suis assez crédible comme chien, non? Regarde. Bienvenue au jeu interchien offert par la pâté béton, la pâté qui colmate les petits creux de vos bichons. Test, test, 1, 2, 3, 1, 2, 3, c'est bon là? Ici 6-6 Coupe, en direct de la place de la mairie où vont se dérouler les premiers jeux interchiens de l'histoire. Tandis que les maîtres inscrivent les concurrents à quatre pattes, une foule très dense se masse autour du parcours. Ouah, super le Saint-Bernard! Je vous l'avais dit, mon cher, un succès populaire. Allez les chiens! Allez, couchez, couchez! Allez, allez les chiens!
Dommage que les chiens ne votent pas. On pourrait envisager une modification de la loi électorale. Oui, 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 oui. Oh, mais qui vois-je? Nos amis des médias. Ici, ici, ici. J'aperçois le maire. Monsieur le maire, c'est de vous ce concept de jeu interchien? Bien sûr que c'est de lui. C'est une mine à concept, notre maire. Un peu démagogique, non? Tout le monde aime les chiens. Vous auriez voulu quoi, un tournoi de cancrela? Bonjour l'argument. Venez que je vous présente notre jury. Le gérant du supermarché, le chef de la police, la directrice, la bibliothécaire. Chacun incarne un aspect du chien. Tradition, discipline, sécurité, sans oublier l'énorme marché des aliments pour animaux. Rappelons que ces jeux interchiens vous sont offerts par la pâtée béton. La pâtée qui cale les trous de vos toutous. Ça, c'est la pâtée spéciale à mon chien-chien à moi. Oui. Zorino! Mais où est-elle? Partie avec l'humidificateur à pâte. Ah! On va lui apprendre l'obéissance, moi. Madame, on paye noir? Je sais plus où j'ai la tête, moi. Si je gagne, vous me rendrez ma forme d'assureur. Promis. Alors, c'est comme si c'était fait. Donc, c'est chacun pour soi. Et que le meilleur gagne. Attention, attention, monsieur le maire vous parle. Je déclare ouvert les premiers jeux interchiens de l'histoire. Allez les chats, allez les chats, allez. Première épreuve, la dégustation de pâté. À vos marques, prêts? Pâté! Allez, vas-y, 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 allez, bouffe, vas-y, bouffe, bouffe, Brutus! Allez, avale, Adolphe! Allez, vas-y! Allez, avale! Terminé! Pendant que le jury délibère, rappelons que les jeux interchiens vous sont offerts par la pâtée béton, la pâtée qui bouche un coin à votre marque. Et maintenant, les résultats de la première épreuve. À l'unanimité, le jury déclare vainqueur de l'épreuve de dégustation Adolphe de Monsieur Hermann Béton. Dégagez! Dégagez! Alors là, tu vas pas du tout, mon pote. Parce c'est quoi, c'est Mass Boss? Tu fais un petit contrôle. Mais Hermann, ça n'a pas de sens. Bon, mesdames et messieurs, le propriétaire du vainqueur réclame un contrôle antidopage. Tous les concurrents ont été contrôlés positifs et sont disqualifiés, sauf... Oh, je le savais! À tous les coups, c'est lui qui a trafiqué la pâtée. Je peux finir, oui. Tous sauf trois. Quoi? Adolphe, Pato et X-27. C'est pas possible! C'est un coup monté! Il me semblait avoir dit de laisser l'assureur tranquille. Grand-mère, Pato et moi, on essaie de te gagner une semaine de vacances, alors c'est pas le moment. Une semaine de vacances? Gratuite? Vous vous sentez capable de l'emporter? Vous êtes sûr? J'ai la gnaque. Deuxième épreuve, la vitesse. Allez, on y va. Croise les doigts, grand-mère. À vos marques. Dégagez! Prêt? Partez! Allez, les chiens! Vas-y, mais c'est brut! Dégagez! Jury délibère. Après délibération, le jury disqualifie X-27 et accorde la victoire à Pato. C'est inique! Annulez l'épreuve!
Troisième épreuve, l'enfouissement de Nonos. Vas-y, creuse, sinon c'est moi qui t'enfouis. Pato, vainqueur dans la troisième. Quatrième épreuve, le lancer de Babal. La quatrième, ou la patte pour Pato. Cinquième épreuve, la pantoufle. Sixième épreuve, élégance canine. C'est un désastre, monsieur le maire. Le corneau mène 5 à 1. Qu'est-ce qu'il reste comme épreuve? Aucune. Et si vous déclarez Adolphe vainqueur, c'est l'émeute populaire. Eh bien, tant pis, j'assume. À l'unanimité, le jury proclame vainqueur de ses premiers jeux interchiens le chien Adolphe. Le chien Pato appartenant à la petite Zarina. Ouais. Proclamez Adolphe vainqueur, je transforme ce chien en pâté pour chien. Il est tombé sur un os. Mon Belzeb. Bateau pour vous, Wouf. Alors ça y est, ils sont partis? Oui, ce matin, une semaine à Djerba, les vénards. Djerba, ça c'est du gâteau. Cookie, cookie, cookie. Dès notre retour, j'appelle le cabinet pour qu'il règle cette affaire de chaudron. Chaudron? Quel chaudron? Ouais, vous avez raison. Oublions nos soucis et savourons notre vie de chien. Tu sais pas tout. Oui, maîtresse. Qu'importe le chaudron, pourvu qu'on ait l'ivresse. Et une bonne laisse.